Les opticiens qui proposent des réductions sont légion et pourtant les lunettes reviennent souvent très chères aux patients. Vous vous demandez comment optimiser vos remboursements. L'assurance maladie vous indemnise sur les bases de remboursement de la sécurité sociale, seulement voilà, les tarifs sont souvent très éloignés de la réalité. Alors sur la base de pourcentage ou sur la base de forfait, il existe plusieurs moyens pour vos remboursements de soins optiques. Pour tout savoir sur ces remboursements, toutes les réponses à vos questions sont dans notre reportage. Ce n'est un secret pour personne. Lorsque vous devez acheter vos lunettes, ça coûte relativement cher. Et généralement, la prise en charge par la sécurité sociale est plutôt symbolique. Les lunettes sont en partie remboursées par la Sécu sur la base d'un tarif dit conventionné. Un tarif relativement faible vu les prix pratiqués aujourd'hui. C'est pourquoi une complémentaire santé est indispensable pour bien se faire rembourser les soins bien sûr, mais également les lunettes. Elle peut vous proposer un montant forfaitaire annuel, souvent plafonné, appelé forfait optique et indiqué en euros sur le contrat. Bien évidemment, pour être pris en charge, vos soins optiques et le port de lunettes devront être prescrits par un médecin. Voici maintenant quelques conseils. Privilégiez la couverture forfaitaire qui rembourse généralement mieux que les garanties en pourcentage. Par ailleurs, faites un devis chez un opticien. Il sera en mesure de vous indiquer le prix et peut-être le montant du remboursement en fonction de votre couverture. Envoyez ensuite ce devis à votre complémentaire santé qui vous précisera les montants de prise en charge complémentaire.